Monsieur le Président, pourquoi on met les 10 points? Qu'est-ce que j'ai fait exactement demandé? Hein? J'ai fait exactement demandé. Ok. Mais le point de cher collègue, donc. Disposition à fond de C'est pas évident, mais il faut que je sois le rapporteur. Est-ce qu'on peut perdre beaucoup de temps actuellement? Ça, il y a la fête de ça. Je n'arrive pas à dire que je vais même pas avoir de problème. C'est du vin, oui, c'est du vin. Là, il va aller montrer les preuves. Merci. Élaboration de manuel de procédure. C'est quoi? Élaboration de manuel de procédure. Non, pas de manuel. Rappelez la directive ou bien le règlement. Règlement numéro. C'est pas ça qu'on parle. Il a fait. J'ai été hier avec le client du site des consoles. Avec la CIA. C'est pas ça qu'on a fait hier. Mais la demande. Non. Il a tout produit hier, s'il vous plaît. Il a tout produit hier. Non. Ce qu'il a produit, on a accepté. On n'a pas le moyen de procéder, on n'a pas l'outil de la gestion. Il a envoyé le document hier, monsieur le président. Mais la politique, on a accepté. Où il y a problème, il faut qu'on répète. Ce n'est pas le moyen de procéder. Il a dit qu'il allait faire ça. Monsieur le président, je suis prêt à travailler ici. Hier, le monsieur a envoyé tous les documents. Quels sont les documents qu'il a envoyés? Prenez les documents qu'il a envoyés. Ce n'est pas le manuel de procédure. Voilà les documents. Ce n'est pas ce qu'il a. Ce n'est pas de la CIA. Hier, il a envoyé tout. Rapport de lésion. Il a envoyé tout le document. C'est dans ce document, il a dit qu'il y avait même le rapport d'activité. J'ai cru à ça parce qu'effectivement, à un point, on en a parlé. Et pour les deux autres points, vous avez fait venir, stop là. Mais pour le moment, moi, je propose qu'on enlève les points là. En attendant qu'on présente les jaunes. On garde les jaunes, on enlève c'est les points. C'est un zéro, on ne va pas avoir de discussion. Ouais. C'est parce qu'on a mis les points hier, dans le sens que c'est un droit acquis. Il faut enlever les points. Monsieur le Président, ne spéculons pas. Il y a le document, on perd le point. On ne va pas refuser de mettre le point s'il y a le document. Mais dès que nous n'avons pas le document, c'est zéro pour le moment. Quand nous avons le document, quand on les apporte le document, on change, on modifie, il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, hier, le monsieur a parlé hier, on s'est promené sur ce point-là. Je propose qu'on maintienne les points. Il dit qu'il va nous amener les documents. Il n'a pas le document. Depuis 3 jours, il n'a pas apporté les documents. On s'en va demain. Il a pris les documents, monsieur le président. Mais où sont les documents? Appelez-le. Mais les documents, c'est ce que vous avez remis hier. Tout ce qu'on a demandé, c'est à l'intérieur. Un rapport de titre, je ne sais pas si ça fait. Je voulais appeler le point focal. Mais pour le moment, mettez zéro là-bas. On n'a pas de documents. Monsieur le président, nous arrivons à la fin du processus. Nous n'avons pas le document. Mettons zéro en attendant de continuer.
comprenons-nous. Si la même le document revient là-dessus, on met le point. Mais je vais en mettre un. Nous sommes ici jusqu'à midi. Laissons les points jouer là. Laissons les points. Laissons le fait de traîner les choses. En fait, le risque, c'est que les points peuvent rester sans que on ait. Voilà. Parce que la première la couleur, les points doivent rester. Tant qu'il a la couleur, la couleur. Monsieur le président, moi je ne suis pas d'accord. Nous sommes presque à la fin du processus. On n'a pas le document, on met zéro. Si le document vient, on peut changer. Même si on est en train de rédiger, le document vient, on va changer. Mais jusqu'à preuve du contraire, si on n'a pas les documents nécessaires, c'est zéro. Monsieur le Président, accordez-nous ça comme ça, on va évoluer. Dès qu'ils ont le document, on change la note. Mais au stade où nous sommes là, si dans la salle, nous n'avons pas le document, nous mettons zéro. Comment s'appelle le gars là? Faut l'appeler rapidement. Ensuite, attends, c'est quelle ligne d'abord? Ligne 174 et Rapporteur, allez plus loin, s'il vous plaît. On a un cours à la fin. C'est bon? Mais il y a une partie où on n'a pas mis. On confirme les zéros là. C'est où? Il descend, continue. Attendez, il y a un commentaire là. Je ne sais pas le commentaire là. Oui, libre circulation, droit d'établissement. C'est pas le commentaire là. Et c'est une loi instaurant la responsabilité. Avec le commentaire, c'est zéro. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire. Ah oui, c'est bon. On peut monter l'effort. Non, je n'ai pas l'effort. Là aussi, on est sur l'égalité de traitement des étudiants actuellement. Voilà. Là aussi, il y a un problème. Stop. Allez-y. Moi, j'ai un problème. Allez-y. S'il vous plaît. Si on touche à la barre dessus, tout. Parce qu'il y en a pas de problème. Parce que là. Si on touche ça, on est sur tout. Si on touche ça, on est sur tout. On va toucher. Là où vous voyez, là où il y a. Madame, si on touche ça, on est sur tout. Là où vous assurez, on est sur tout. Madame, prenez la parole. On va vous expliquer. Vous allez... Monsieur le Président, on va vous expliquer. Monsieur le Président, vous allez comprendre. Je ne sais pas comment. Nous sommes ici pour nous comprendre. Vous avez dit que c'est là où il y a jaune, là. On va, c'est là où il y a jaune. Oui. Maintenant, si vous êtes d'accord qu'on fait le pas sur ça, n'oubliez pas que nous rendons aux écrans pour annoncer que Dieu sur certaines choses et il nous donne des instructions. Attendez, voilà, attendez qu'on vous donne votre explication. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, par rapport à cette directive, nous avons référé à la hiérarchie, surtout aux porteurs du dossier. Et la difficulté que nous avons dans le document qui nous a été transféré, la première question qu'on nous a demandé, est-ce que le projet de directive est référencé même sur l'arrêté interrectoral? Parce que là, nous sommes en train de dire que l'arrêté rectoral met en œuvre un projet de directive. Mais le projet de directive n'est référencé nulle part. Le document de base lui-même n'est référencé nulle part dessus, ni sur le projet de directive. Et nous n'avons malheureusement pas un test national qui met en œuvre vraiment la directive. C'est ça la grosse difficulté. Donc les collègues ont déjà demandé de vérifier. Donc on a revu hier, rediscuté avec eux. Malheureusement, le projet de directive n'est pas référencé sur l'arrêté de Parakou.
Et je pense que hier soir, j'ai également demandé dans le même sens, au moins l'arrêté de d'Aboum et Kalali. Moi-même, je l'ai cherché sur le net, je ne l'ai pas eu. Mais jusque-là, je ne l'ai pas. Si le projet de directive était référencé sur l'un des documents, pas de problème, on peut considérer la mise en œuvre. Mais là, malheureusement, il n'est référencé nulle part. Donc, on ne peut pas dire que ce document met en œuvre un projet de directive de ce genre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, voilà des explications très claires. Monsieur le Président, je ne souhaiterais pas me prononcer sur cette question-là. Pour moi, c'est une question à poser. Merci. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, vous voyez, en rouge, on va faire un rapport pour la partie politique. Je vais n'exprimer pas cette partie rouge-là. On va faire un rapport pour expliquer. Voilà, pour expliquer. Et moi, je demanderais qu'on mette zéro et qu'on produise un commentaire pour décrire la situation que madame vient de dire tout à l'heure. Monsieur le Président, je ne touche pas au vote. Puisque les notes qui ont été données, c'est au prorata. Les notes qui ont été données, Les notes qui ont été données là, c'est calculé pour l'attaque des efforts. À moins qu'on me dise maintenant, la vie, on va me donner les 40 sur les 40 et les 50 sur les 50. Monsieur le Président, moi je veux vous poser une simple question. Montrez-moi dans ce test-là ce qui prouve que c'est le test de deux mois. Quand vous ouvrez, c'est écrit. C'est écrit où? Monsieur le Président, permettez qu'on vous parle, Monsieur le Président. Je vous attends sur ce principe-là. Quand vous êtes dans le contenu, étudiants nationaux, étudiants espace pour moi, étudiants espace hors pour moi, c'est là. C'est bien écrit dans le test. Et je suis d'accord qu'il y a des efforts encore à faire sur le plan national. Et ça, on est en ça, c'est une lettre interne à une université. Même pas référence. On a ça le fait même pas référence à un test national qui transpose le test de la commission.